tonight i uh, <laughs> i just had to kill a lot of people what, say what one more goddamn time what lawyer verbal i am mr kobayashi 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 Cinebdo, toute l'actualité du cinéma. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips Tous les vendredis à 18h30. Bonsoir, bonsoir à toutes, et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de cette formidable émission qu'est Cinebdo. Nous sommes le 5 avril 2013, euh, il est 18h passé de 33 minutes et nous sommes partis pour une heure de, de débat cinématographique sur le 7ème art. Donc en compagnie ce soir, et eh ben uniquement de Max. Bonsoir Max. Bonsoir Robin. Ah là, allez, Bonsoir on, à tous. On excuse nos deux chers compères Enzo et Maxime qui n'ont pas pu venir cette semaine. Ils ont peur de moi. Voilà, exactement. En tout cas, moi j'ai pas peur de toi. Et de toute façon, il faut que je présente et que je suis à la technique. Donc il faut bien que, que, que quelqu'un <laughs> s'occupe. Hein, <laughs> voilà, il faut bien que, que, que quelqu'un s'occupe de ce qui est important. Et ce qui est important cette semaine, euh, donc du 5 avril dans Cinebdo et mais d'abord c'est dans les news qu'on euh, va se poser une question, Ryan Gosling, peut-il sortir de ses rôles drivesque on le verra notamment à l'occasion de la sortie de la nouvelle bande-annonce de son prochain film avec Nicolas Windingreft, donc le réalisateur de Drive. Un petit retour sur les films du box-office avec Jack et le chasseur de géants, Les Amants Passagers et le magicien d'Oz. Les sorties de la semaine avec Dead Man Down, Amour et Turbulence et 11.6. C'est River chronique sur Parks and Recreation et la question de la semaine qui vous permettra comme chaque semaine de gagner deux places pour toi et ta meuf toi et ton mec ou toi et Ryan Gosling parce que Ryan Gosling est une vanne sexuelle à lui tout seul. Pour le cinéma Le Bisou, le Bijou. Voilà. <laughs> la la C'est <puce. rire> le premier, c'est le premier, je suis coutumier du fait. Donc le euh, cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand, euh, posté à côté de la mairie. C'est un très beau cinéma qui passe des, des films récents comme anciens. C'est très sympa, on peut y aller voilà, avec sa meuf, avec son mec, etc. Ça va, Maxime Ça va très bien. Bonne, bonne petite semaine Ouais, ça va bien, bien rempli. Bon. Eh ben écoute, euh, je te propose tout de suite qu'on enchaîne et qu'on commence avec les news de la semaine. Go Que s'est-il passé dans l'actualité maintenant dans les news de la semaine. Les news dans la semaine dans lesquelles, voilà, alors euh, on, on s'est dit, on va faire un petit focus, alors je le posterai sur le, le, la page Facebook de, de Cinebdo, euh, et voilà, il, Ryan Gosling, le fameux Ryan Gosling que vous avez forcément vu dans Drive, dans Les Marches du Pouvoir, dans The Place Beyond the Pines, dans Gangster Squad, euh, c'est vrai que, bah, mine de rien. Euh, on l'a vu dans pas mal, pas mal de films euh, récemment, c'est vrai que c'est un, un acteur qui monte, euh, qui est de plus en plus reconnu, etc. Euh, bah là, il va sortir donc, dans le prochain film de Nicolas Vendingrefne. Euh, un nom pas facile à dire pour un réalisateur danois, euh, beaucoup, beaucoup de talent. Euh, donc, la trilogie des Pushers, c'était ses premiers films, avec Matt Mikkelsen notamment. Euh, euh, bah, euh, Bronson, Drive. Évidemment, euh, donc évidemment, encore une fois, vous verrez euh, via le trailer un, un, un film euh, voilà avec des, des grands plans avec des couloirs rouges comme, euh, comme Nicolas, c'est enfer. Euh, oui, je vais l'appeler par son prénom, c'est pas tellement affectueux, mais enfin, si c'est affectueux, euh, mais c'est pour des questions de simplicité aussi. Euh, donc, euh, de la violence à tout bas, euh, voilà euh, des plongées dans des personnages un petit peu énigmatiques. Euh, évidemment, il a repris son poulain euh, euh, Ryan Gosling depuis le succès de Drive, hein, qui a été un, un succès critique, un succès, euh, succès public, on va dire. Euh, mais alors le problème, c'est de se demander si euh, Ben bah, Gosling n'est pas parti pour des personnages un petit peu voilà tout le temps drive-esque. Euh, bon bah dans Drive évidemment voilà il campe pour, pour reprendre un petit peu euh, dans sa globalité dans Drive il campe un un, un, un chauffeur enfin un cascadeur qui euh, s'occupe de faire un peu euh, du transporteur euh, à, ses, ses heures, à ses heures perdues, euh, hein, qui conduit ex extrêmement bien, il va s'entacher d'une femme, et voilà, évidemment, c'est quelqu'un de très solitaire, euh, belle gueule, mais il y a emprunt d'une certaine violence, etc. Voilà, c'est le, le mix entre... Euh, entre la violence, la solitude et puis un, certaines, une, un code éthique personnel euh, face à une société décadente. On a toujours un petit peu ces personnages-là. Euh, évidemment, euh, bah, on peut faire un petit retour en arrière. Est-ce que ça date vraiment de Drive euh, Toi, euh, tu avais vu, euh, Max, le film La Faille de, de Grigori Oblit, euh, dans lequel il jouait dedans, qui s'appelle Fracture, il me semble, en, en français. Est-ce que c'était à peu près le même type de, de personnage euh, honnêtement, il forçait pas son talent dedans. Il en... c'était l'acteur principal avec Anthony Hopkins. Mm -hmm. Je sais pas si tu as vu le film. Je euh, je sais je suis pas sûr en fait que que c'est celui-là que j'ai vu. Euh, je je... vas-y pitch-moi un petit peu. Euh, oui, bah, en gros, on a Anthony Hopkins qui, qui, qui découvre que sa femme. Euh... Oui, si, je l'ai vu. Euh... Okay, j ai, j ai, j ai, au moment où tu dis o, o, Anthony Hopkins, femme, oui, effectivement. Euh, vas-y, vas-y. Vas Anthony genre. Hopkins euh, se rend compte que sa femme le trompe avec un, un flic, si je me souviens bien. Ouais, qui est Ryan bah... Gosling d'ailleurs non, 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 Ryan Gosling <laughs> est le procureur. Hein. Oui, oui, c'est le procureur. Oh, je suis voilà. désolé. Ah. Donc, euh, sa femme le, le trompe avec un, un flic et euh, il, va, en fait, il va tuer sa femme. Euh, alors il va organiser tout ça de façon euh, assez. C'est un thriller en fait, hein, ce film. Et donc il va tuer sa femme et c'est le l'amant le, le, de sa femme qui va l'arrêter. Voilà. Mais il se laisse arrêter en fait. Donc ouais. je, je, je vais pas trop en dire. Il pas, se laisse arrêter, spécial, mais voilà. voilà et... Il se laisse arrêter et en fait il a tout euh, manigancé tout, pour, pour que, ne pas voilà. aller en prison. Et c'est Ryan Gosling qui fait le procureur qui va le poursuivre. Voilà. Et donc on est dans un, dans un thriller qui fonctionne. Ouais, hein, qui avait voilà. ces qualités, qui était un peu, qui était un peu bah, parce que j'aime bien les trucs en esque, mais qui est un peu Fincheresque pour le coup, ça, ça me, fait, ouais. ça me faisait penser un petit peu à The Game de, de Fincher, ouais, ouais. ou même dans Seven, dans la relation des personnages, dans les, le, la type de ville qu'on voit, etc., dans les personnages, je trouvais que c'était un peu voilà, euh, sombre, un peu violent. Oui, oui, bah, en, en plus dans, dans le film j'étais du côté d'Anthony Hopkins, j'avais ouais, pas envie qu'il aille en plus, je sais pas pourquoi, mais bon bon. C'est ouais. bah, ingénieux, c'est quelqu'un qui, qui est un peu machiavélique, qui est très très ingénieux, très très ouais, voilà, intelligent. Et donc, euh, c'est vrai qu'on on se dit qu'il faut, qu faut que ça que ça marche, quoi. Pour le moment, j'ai même revu Hannibal Lecter euh, ouais. <laughs> du, du Silence des Agneaux. Ouais. Bon, euh, après, pour Ryan Gosling, il, est, il était pas mauvais dans le film, mais bon, après, il m'a pas bluffé. C'était avant qu'il qu vraiment qu'il décolle, en fait. Hein. Ouais, ouais, euh, c'était juste avant. Ouais, ouais voilà. Le, ça date de 2007, je crois, le film. Drive, ça date de 2011, C'est vraiment le film qui l'a propulsé. Ouais, Peut-être avec Crazy Stupid Love aussi, euh, qui, avait, qui était voilà qui avec ouais. Steve Carell, un gros gros casting pour pour ce film qui était une comédie romantique, mais qui, qui avait bien marché aussi. Ouais. Bah alors après donc je, je connais peu de films qui datent euh, d'avant Drive. Enfin j'ai vu peu de films de de, de Ryan Gosling qui datent d'avant Drive. Donc je c'est assez, di assez difficile à dire, il faudrait que j'envoie voie pour me, vraiment me faire une idée, mais c'est vrai que depuis Drive, j'ai un petit peu l'impression de voir toujours le même... Euh, qu'il fait, qu fait très oui, bien, qu'il fait très bien. Mais, mais... je suis d'accord. Euh, alors, qu'est-ce qu on, on va se retrouver Donc dans un acteur qui sait, ne sait plus ressortir de ça Ou tu penses que le, le risque, c'est de faire trop de ce genre de film et que quand il repasse du côté comédie, bah ça fonctionne plus Parce qu'au bah... départ, c'est un acteur qui, qui, qui a fait pas mal de comédies. Hein. Mmh. Uh, bah après, c'est là aussi où on voit le, le talent d'un bon acteur. Hein. C'est le, 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 la force qu'il a pour sortir d'un personnage, ouais. rentrer dans un nouveau, tout ça. Et choisir les bons films aussi, ça c'est pas évident. Exa exactement, voilà. Donc, euh, bah, dans le même style, on a Leonardo DiCaprio qui mmh. aurait pu tomber dans le piège de ah, Titanic ouais. et qui ne l'est pas du tout tombé. Au contraire, mmh. voilà, il, il choisit bien ses scénarios, il, il, il joue pas avec n'importe quel réalisateur, ouais, il souvent avec Scorsese. Euh, il, voilà, il, donc, et du coup, voilà, Leonardo DiCaprio, j'ai envie de dire, voilà, il, est, il est sur une euh, lancée qui, ouais, oui, sur laquelle une, il est ah, difficile il a de l'arrêter. S'il n'a pas d'Oscar ouais. euh, avant sa mort, ça, ça, va, être, ça va être compliqué. Ouais, hein, bah, DiCaprio, s'il ouais, si ouais, voilà. continue comme ça... Euh... Et donc euh, Ryan Gosling, bah, il en est à ce, ce stade-là. Pour l'instant, ça marche bien pour lui parce que, voilà, tu l'as dit, il est, il est très très convoité. Il fait partie des acteurs les, les plus convoités actuellement. Ouais, ouais, Je suis d'accord. Euh... Ouais, il, joue, il joue souvent, c'est vrai, le, le rôle du, du, du méchant garçon. Euh... Ouais, ouais. ouais. Euh... Belle gueule. Mais moi, c'est toujours ce côté belle gueule, mais avec un, un code un code interne, tu sais, un code d'honneur euh, mm. qu'il a un peu forgé à partir de rien. Et même dans Gangster Squad, ça se retrouve. Hein, ça se ouais, retrouve oui, euh, oui, oui c'est vrai. Euh... Ouais. Bon, euh, bon, moi, et... moi, je sais que s'il continue comme ça, ça va vite me lasser. Mais... Ouais, ouais, bien sûr. Mais après, tout là, il va être le choix, à mon avis, voilà, de la qualité d'acteur et du choix des films pour en ouais. sortir. Euh, mais je pense, que, je pense que le garçon... Moi, je je peut... lui donne sa chance. Hein. Ouais oui, je pense qu'il peut, il peut faire quelque chose de, de vraiment bien. Euh, après, effectivement, euh, on, on, lui tout, on lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est un mec ah oui, quand même qui vient de oui. Disney, de Mickey, machin, et donc qui a réussi à s'en sortir. Sûrement via, via Drive, qui a été l'élément un, un élément déclencheur, je pense. Euh, après, attention à lui à ne pas trop tomber dessus et au réalisateur de ne pas lui donner trop le même type voilà, de, perso de, de personnage. Ce que The Place Beyond the Pines avait un petit peu eu du mal à éviter. Alors, Mais elle euh, l'avait fait avec classe, donc ça va. Bon, après, si, si le film marche, tant mieux pour oui, lui. Hein, voilà. c'est ça Mais, Mais par exemple, voilà, qu'il ne fasse pas trop de gangster squad. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'il évite... Je, je pense que c'est pas vraiment un, 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 un acteur qui est destiné au film à gros, gros budget c'est des, des, des trucs alors je dis pas indépendant mais euh, où le, 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 le réalisateur est très impliqué ou tu as une, une dimension artistique pas mal mmh. voilà comme oui, dans du, les films de de, ouais, de, ça, de, plutôt de Nicolas Wefne le... ou, ou etc là pour le coup je pense ou The Place Beyond the Pines je pense que là pour le coup il peut apporter sa touche et amener la profondeur bah, oui parce que oui je suis assez d'accord oui bah, c'est plutôt les films qui accentuent l'aspect artistique que oui. l'aspect euh, commercial en fait ouais. et bah, c'est dans l'aspect artistique où, où on l'attend voilà, en fait euh, ouais. parce que c'est voilà l'acteur fait partie de, de l'aspect artistique donc euh, mm. ouais, je suis d'accord voilà euh, pas de bon anniversaire cette semaine, on clôt le débat sur Ryan Gosling, et pas de bon anniversaire parce que bah, pas grand monde que vous êtes, euh, vous, très chers spectateurs et auditeurs, euh, susceptibles de vraiment bien connaître, euh, à moins que voilà, vous soyez un fan de Gregory Peck. Malheureusement, moi, je n'ai pas vu énormément de ses films, euh, à, mon, à mon grand désarroi, hein, bien entendu, mais. Euh, donc on reviendra évidemment la semaine prochaine avec un joyeux anniversaire à quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on verra. En attendant, on va faire un petit retour sur les films du box-office comme chaque semaine. Et maintenant retour sur la semaine passée avec le box-office. Le box-office cette semaine euh, et on commence, tiens, tu, ça fait longtemps, c'est quoi voilà, <laughs> voilà. J'aime bien voilà, enfin, le box office ça donne un petit, côté, un petit côté foufou, moi je, je suis preneur. Allez go. En tout cas, euh, ce qui est foufou, c'est que, bah, en première place, on a G.A. Joe Conspiration qui arrive à 437 000 entrées. Donc, évidemment, bah, on, on l'avait dit la semaine dernière, beaucoup de gens ont vu la pub sur TF1 avant le match de foot et ont été impressionnés par The Rock. Euh, un film qu'on n'a pas vu et qu'on n'ira sûrement pas voir parce que, parce que j'ai déjà vu le dernier rempart pour ma part et que les films <laughs> d'action pourraient. Ouais, j'ai vu Jack Richard. Voilà, voilà c'est ça. Je pense qu'il s'inscrit dans la continuité des films d'action qui sont qui sont un peu nuls, mais bon, allez, ça, tu te vides la tête pendant 1h35 avec des explosions, etc. Le scénario m'avait l'air particulièrement idiot. Euh... Le bon annonce m'avait énervé, moi. Ouais, ouais, c'est ça. Je veux bien, bien qu'on fasse le super soldat américain, etc. Même sans, sans de, de second degré affiché. Des fois, c'est un second degré, euh, on va dire, euh, implicite. Ils n'ont pas fait exprès, mais c'est du second degré. Euh, bon là, je pense qu'il y en a trop. C est, c est, c est, on sature ouais. de. de on, va, on va pas faire. On peut pas faire une critique. Ah ouais, c'est trop américain. Ça véhicule très. Mais c'est évident. C'est trop tout. Euh. C'est évident. Il hein, ah bon, y a pas besoin de, de, de nuances. Enfin, je pense que personne n'est assez stupide pour. Pour voir. Voilà. Donc, je, je je déconseille pas forcément. J'ai pas vu donc. Euh, mais. Bon c'est... Vous savez, je pense que vous savez comme nous euh, de quoi il en retourne, donc pas besoin de faire une, un exposé plus, plus large que ça sur G.I. Conspiration. Deuxième qui marche toujours aussi bien, euh, et c'est un, une vraie surprise en tout cas pour ma part. C'est Japlou, donc à 300 000 entrées qui cumulent à 1,5 million. Donc il va arriver dans le top 5 euh, des, des films les, les plus rentables de 2013. Évidemment, on n'est qu'en en avril, mais euh, ça. Mais ça, quand même. Mais quand quand même. même. Euh, bah ouais, mine de rien. Et euh, bah écoute, euh, un film, bon, on ra ne rappelle pas, etc., mais que, que es, qui, mérite, euh, qui mérite son petit succès quand même. Bah oui, c'est vrai que même moi je, je l'attendais pas à ce niveau-là, mais euh, je suis très content pour lui. Ouais, ouais. Voilà. Bah, voilà. euh, qui, en tout cas, qui confirme que Guillaume Canet est un acteur français qui fait vendre, parce que généralement, les films hmm. de, avec ou de Guillaume Canet euh, bah, marchent plutôt bien. Là, il n'est pas de lui. Là, ah, il n'est pas de lui, ouais. Euh, troisième, Jack le chasseur de géants en première semaine qui arrive à 300 000. Entrez. <laughs> bon, euh, alors je pense que merci les familles nombreuses déjà, petit 1. Hein. Ouais. Euh, on le rappelle, c'est un film pour enfants, mais qu'on n'avait vraiment, vraiment pas aimé. Euh, qui... Et encore, ça se discute hein, pour enfants. Euh, oui, mais... voilà, c'est ça, c'est vrai que. C'est un des points euh, négatifs ouais. qu'on qu lui reprochait. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc on, on le rappelle. Euh, qui est réalisé par Brian Singer, qui fera tâche sur, sur un CV qui était plutôt propre hein, jusqu'à maintenant, euh, euh, en tout, sauf euh, les deux. C'est vrai que ces derniers temps, Brian Singer, il n'est pas folichon-folichon entre ça, entre Valkyrie, euh, c'était pas... Bon, moi, je, Superman Returns, c'est vrai qu'il n'est pas fait de super, super choix. Euh, pourtant, avec, après, euh, Usual Suspect, euh, voilà, X-Men, on pouvait attendre des choses, bon, visiblement non. En tout cas, euh, porté par Nicolas Hoult et, et Eleanor Tomilson, qui sont deux acteurs qui jouent très très mal. Euh, entre, oh, c'est vrai, hein, qui <laughs> je m'étais les... oui, un peu lâché voilà. sur Hoult. Euh, 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 oui, il n'est pas, pas bon hein, de ça ou dans *Warm Bodies*, il n'est pas bon. Euh, porté en tout cas euh, aussi par des, des, des acteurs euh, du style de Evan McGregor, Saney Tucci et Ian McShane, euh, bon, qui ne forcent pas leur talent et qui se contentent d'attendre leur fiche de paye, on ne peut voilà. pas vraiment leur en vouloir, mais bon c'est dommage, quoi, ça fait, c'est pas, pas terrible, terrible, euh, qui vraiment ils s'investissent pas, pas du tout, notamment la palme et à McGregor qui s'investit, mais alors pas du tout dans son <laughs> rôle. Euh, il a laissé la, la, la... c'est le mec qui s'en fout mais complètement ah ouais, du ouais, début ça, à la fin c'est <laughs> ça vraiment vraiment bon euh, en tout cas bah, là, un film qui est pas terrible euh, terrible qui fait pas rire qui fait pas des... qui ne propose pas forcément d'émotion qui est assez mal fait au point de vue graphique enfin les effets 3D je sais pas si on en avait parlé mais c'était pas vraiment vraiment ouais. euh, folichon ouais, ouais. rien d'exceptionnel euh, bon, la 3D n'apporte rien, enfin, aucun, aucun point positif et des gros points négatifs, donc évidemment un film que l'on déconseille. Quatrième, Les Amants Passagers qui arrive à 280 000 entrées pour seulement 285 copies. On rappelle qu'un gros film fait 600 copies, euh, un petit fait moins de 200, et voilà, un film moyen c'est 286. Bah, c'est très très bien et je suis très très content pour ce film d'Almodovar qui brise un petit peu avec les codes propres aux réalisateurs, en tout cas qui brise pas mais qui les porte au nu, on va dire. cest que c'est un peu, voilà on, je l'avais dit, mais c'était un Almodovar sous extasie. Un, un film donc. Euh, dans, dans un, un, un film, un film choral qui se passe dans un avion euh, presque, presque en huis clos, il y a un long, un long flashback au milieu, mais c'est pas, pas un long flashback, mais un, une transposition un petit peu d'action. Euh, sans quoi ça se passe vraiment dans l'avion et c'est très 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 drôle. Euh, c'est volontairement un peu gras, mais euh, ça ne m'a pas dérangé dans le sens où euh, évidemment bah, le gras on, le, on, peut le, 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 on peut lui dire non quand c'est un petit peu un petit peu trop et là pour le coup je trouvais que c'était bien dosé, que de toute façon c'était drôle euh, et que ça voilà c'était pas du gras pour faire du gras c'était du gras pour essayer d'oser un petit peu de, de briser quelques tabous donc bah pourquoi pas et un, un, une comédie dans laquelle on, on sort et on a les, un grand sourire aux lèvres euh, les, les dents toutes écartées et vraiment je me suis vraiment bien bien marré après, peut-être à déconseiller à un public anti-gay ou anti... enfin, un poil trop... Enfin, il faut que ça soit ouvert, quoi. Je veux pas, je veux pas... Entrer dans... Mais il faut que, le... faut que vous ayez l'esprit ouvert. Mais à partir de ce moment-là, je pense que ça passera comme dans du beurre, sans mauvais jeu de mots. Cinquième, <laughs> le monde fantastique d'Oz en troisième semaine, qui arrive tranquillement à la 1 400 000. Bah, il a fait ses entrées, tu vois voilà. bien un film pour enfants euh, que tu avais vu, Max, et qui n'avait ouais. rien d'exceptionnel, mais qui est toujours mieux qu'aller voir Jack le chasseur de géants. Ouais, voilà, exactement. Euh, à choisir si vous voulez euh, emmener vos enfants au cinéma, emmener euh, les voir, le monde fantastique d'Ose, ça leur fera plaisir. Voilà, voilà. c'est un peu euh, un peu c'est un peu fantastique. Voilà, donc c'est un film pour enfants. Voilà, clairement. Moi, j'en je, retiens rien de d'exceptionnel, de folichon. Euh, que dire d'autre? Euh, ouais, bah, le, enfin, j'avais pas vu le, le l'original. Ouais, oui. voilà, j'avais pas vu le, la version originale. Donc ça, le monde fantastique dose apparemment, c'est un préquel. Ah oui, c'est le avant. Euh, donc je, je peux pas, je peux même pas dire s'il y a une une cohérence. Enzo n'est pas là pour nous faire sa, sa vanne. <laughs> ça va une vraiment. On, le, on une... la rappelle. On a <laughs> été limite, mais moi je l je l je l'ai accepté en off. Donc on l'a refait. Voilà, pareil, qui vont faire une suite après Le Monde Fantastique 2, on va voir Le Monde Fantastique 3, voilà. euh, qui, était, qui était une Merci très bonne Enzo. bande, <laughs> de rien. Bah bah on, ça nous avait a fait rire. Voilà, <rire> bah, ça nous avait fait moyennement rire, mais ouais. ça nous avait fait rire posteriori. On a posteriori. On avait été un peu surpris, moi, j'ai voilà, été un peu désarçonné. Bon, bah, voilà, je, je, Enzo, je te le dis aujourd'hui, je t'aime et j'ai adoré ta blague. Voilà, <laughs> bravo. En ouais, tout cas, ouais. voilà, bah, rien, de, rien de plus voilà, à dire sur ouais. un film que pas forcément le truc à voir, mais qui est pas aussi bouseux que Jack le chasseur de géants. Sixième de Place Behind the Pines qui arrive à 450 000 entre eux, ce qui est bien pour un film qui n'était pas survendu non plus. Euh, en tout cas, bah voilà, un film où j'ai vu un gros coup de cœur, euh, en partie dû au fait qu'il n'y a pas grand chose euh, euh, qui l'égale. Euh, euh, bah, euh, ces temps-ci, euh, hein, une vraie œuvre d'art euh, pour le coup, euh, que j'avais vraiment vraiment aimé euh, bah, dans la profondeur de ses personnages, dans son rythme très particulier, dans le poids du destin qui se fait. Euh sentir tout, euh, tout au long du film <coughs> avec des prestations d'acteurs notamment bah, là, Ryan Gosling on en a parlé tout à l'heure mais même Bradley Cooper Bradley Cooper qui est un petit peu en deçà de Ra Ryan Gosling mais il faut dire que Ryan Gosling a un sacré rôle et euh, une sacrée prestance euh, un charisme qui est aussi adjoint au personnage donc c'est pas forcément la faute de Bradley Cooper en tout cas c'est un film vraiment à aller voir qui qui un peu long certes je, je, je l'accorde mais qui en vaut la, en vaut la chandelle j'ai vu trop de films qui étaient simplement des films et pas assez de films qui étaient de vraies belles œuvres du 7e art celui-là en est un il me semblait important de le préciser en ces, en ces temps je veux pas faire c'était mieux avant c'était pas, pas mieux avant hein, mais euh, je, je reste sur ma fin je veux être surpris c'est juste que je veux être surpris en 2013 et je ne l'ai pas encore assez été alors on l'a dit la semaine dernière dans le débat euh... voilà ça manque d'originalité. Voilà, on retrouvera le débat. Euh, les films de 2013. Enfin, euh, que faire pour sauver les films de 2013 dans le podcast de la semaine dernière Je ne sais plus exactement la date, mais en tout cas, c'est en euh, fin mars. Euh, le Cinebdo de fin mars. Euh, l'on peut, peut retrouver sur radio je pense aussi que l'on peut retrouver sur radio-recc.fr recc .fr, comme REC. Euh, septième 20 ans d'écart qui arrive à 1 200 000 encore une fois je pense que ça sera à peu près les chiffres d'amour et turbulence dont on dont nous parlerons tout à l'heure euh, une comédie sympathique, mais à choisir. Je l'avais trouvé vraiment sympathique à choisir. Je, je, le, je, je prendrais euh, Amour et Turbulence pour des raisons euh, que j'expliquerai tout à l'heure. Euh, huitième, la chute de la Maison Blanche, un film qu'on n'ira pas voir. Neuvième, Warm Bodies, <laughs> qui se casse la gueule à 257 000 entrées. Euh, et dixième, une chanson pour ma mère. <laughs> J'ai pas entendu ce... C'est peut-être un film très très bien. Hein, Moi, j'en ai, pas... ai entendu parler. J'ai vu plein de fois la bande-annonce. C'est horrible. D'accord. <laughs> J'ai pas envie d'y aller. D non, ah oui, il y a dit. Tim City et oui, Dave. Oui, ouais. Exactement. D'accord. Rien que ça, déjà. Ouais. Bah, bah, bah. Bon. Euh, <laughs> en tout cas, un film qui est, qui est dixième et qui échoue à la dernière place de notre cher box office. Enfin, pas la dernière, mais bon, on prend que les dix premiers, sinon les films slovaques, hein, on s'en sort pas. <laughs> Écoute, je te propose de faire un petit break. On se re retrouve juste après pour les sorties de la semaine. Dans lesquels nous pourrons retrouver Dead Man Down, Amour et Turbulence et 11.6, Parks and Recreation pour les séries, et évidemment la question de la semaine qui vous permettra de gagner deux, deux places pour le cinéma Le Bijou de Noisy Le Grand. C'est parti Allez go Allez, à tout à l'heure La radio étudiante. De retour sur euh, votre émission préférée de cinéma, Cinébdo pour la deuxième partie avec les sorties de la semaine, série War Chronique plus la question de la semaine qui vous permettra de gagner deux places pour le cinéma, le bijou de Noisy-le-Grand. C'est parti. On y va et on commence avec Amour et Turbulence, un film réalisé par Alexandre Castagnetti. Un petit nouveau de la réalisation française, même s'il avait réalisé, il me semble... Euh, que dis-je euh, un film avec Titoff en 2004, je ne sais plus exactement le nom euh, L'Incruste je crois euh, et qui faisait partie de la chanson du dimanche, c'était un des deux compères de la chanson du dimanche qui s'en va et qui décide de s'envoler avec ce film, enfin s'envoler on va peut-être se calmer avec Ludivine Seigné, Nicolas Bedos et Jonathan Cohen pour le, le gros en fait du casting on peut peut-être peut, peut citer Michel Villarmoz, un acteur que vous connaissez forcément, un grand pote euh, D'Albert Dupontel, euh, un mec avec une grosse moustache qui, avait, qui est souvent dans les, les films Versailles Rive gauche, Versailles Rive droite, etc. Euh, des, des Podalides un pote, des Podalides et de Dupontel. En tout cas, euh, c'était la comédie qu'on nous vendait un petit peu la comédie française qui marchait bien, qui allait bien marcher en tout cas. Euh, J'y suis allé avec un petit peu d'a priori négatif, je le cache pas. J'avais envie de pas trop aimer ce film, euh, notamment bah, parce que déjà Nicolas Bedos c'est un humoriste et qui dit film avec humoriste dit clivage forcément. Euh, on aime ou on n'aime pas. Je suis pas spécialement fan de Nicolas Bedos sans en le détester. Je reconnais ses qualités mais parfois il... Je, je, je suis pas extrêmement fan quoi, euh, un petit peu ça va pas trop. Force est de constater que c'est un bon acteur, euh, déjà petit 1, euh, qui je pense peut se prêter à tout un tas de, de différents euh, types de films. Et pour une comédie, c'est bien de commencer par une comédie, ça ça permet de mettre le ton un petit peu, c'est des, des scripts qui sont pas trop trop longs et j'avais un petit peu peur qu'il lise un petit peu ces textes. Et non, non, pas du tout, il, il s'empare bien, bien de la chose. Avant de revenir un petit peu sur les autres acteurs, je voulais juste faire, faire un petit détour par Nicolas Bedos, parce que c'est toujours un peu particulier en, en ayant un humoriste. Euh, je ne je sais, si, sais plus si tu l'avais vu, mais il joue dans Populaire. Euh, oui, un tout petit, il a un tout petit rôle ouais. dans lequel il était déjà pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, il, était déjà il avait pas un personnage. Mal. Voilà, exactement. En tout cas, euh, ce film, donc, euh, bah, un synopsis assez simple, une comédie romantique, où euh, deux, euh, deux personnes, euh, enfin deux, un homme et une femme, donc euh, Antoine et Julie, qui est interprétée par Ludivine Divine se rencontrent euh, dans un avion euh, en classe business euh, par un, un, un heureux hasard en fait en revenant de New York et qui vont euh, en profiter pour raconter leur point de vue de leur histoire d'amour, sachant que euh, bah, Julie est une jeune femme relativement euh, voilà un petit peu artiste, un petit peu maladroite. Et, euh, voilà. et Nicolas Bedos, c'est un tombeur, un avocat tombeur euh, de femme, etc., qui ne jure que par les coups d'un soir et qui va évidemment s'amouracher. Bon, rien, de, rien de, de particulier sur le scénario, mais relativement cohérent. Euh, et surtout, ce qui est particulier sur ce film et ce qui fait que le film marche bien, c'est certains paris de réalisation qu'il a su trouver, à savoir euh, des flashbacks qui sont bien, des, des, des flashbacks courts qui, qui rythment beaucoup beaucoup euh, le, le film. C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de s'installer dans une comédie romantique parce que voilà, euh, c'est des, des choses qui sont un peu euh, euh, un peu un peu fait sur fait la rencontre des deux amants qui ne s'aiment pas tu vois voilà les qui ne s'aiment plus en tout cas euh, voilà les jeux de je te déteste etc mais là pour le coup euh, rien de particulier mais les punchlines sont bien faites déjà et les, 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 les peu, tout petits flashbacks sont très très bien réalisés donc euh, ça se colle bien et donc ça donne un rythme on est tout de suite dedans ça pour le coup c'est vrai qu'on est tout de suite dedans euh, et bah le, le, au fur et à mesure les les flashbacks se font de plus en plus longs au fur et à mesure que les personnages se, se développent et donc développent leur profondeur et on a toujours ce jeu bah, qui est toujours un petit peu sympa même si parfois parfois le les, ludivine saignée je trouve le jeu de ludivine saignée a un petit peu de mal à fonctionner peut-être peut-être euh, pour pas l'incriminer directement par rapport à des dialogues qui sont moins bien écrits par elle enfin pour elle que pour lui on va dire ce qui donne un, Quelquefois un petit déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a des, 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 des dialogues qui, sont, qui coulent, qui sont très naturels de, de Nicolas Bedos et qui, sont un, qui le sont un peu moins, qui sont un peu trop des réponses un peu formatées ou des renvois à la parole pour Bedos euh, par, euh, par Ludivine Seigné. Donc du coup, je pense plus que c'est le scénariste qui s'est plus conforté dans le personnage masculin que féminin. Euh, c'est un nouveau scénariste, j'ai regardé un petit peu pour voir. Euh, le, le scénariste est euh, inconnu au bataillon et c'est sa première réalisation, son, son premier travail, son premier fait d'œuvre. C'est bien, hein, c'est un long métrage, euh, donc euh, c'est pas mal. C'est euh, les débuts de tout le monde en fait. C'est les hein, débuts, ouais, c'est ça. Mais le scénario en soi n'est pas extraordinaire, mais il a été très très bien approprié par Alexandre Castagnetti qui bah, euh, fait, euh, fait preuve d'un vrai talent quoi, pour, 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 pour ce film. Euh, je, 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 encore une fois 1h36 donc pas trop long, pas trop court euh, ça se plie bien on, on s'ennuie vraiment pas euh, et c'est vrai que bah, j'ai pas mal ri, alors pas tellement pour les, les, deux pro, les deux protagonistes si tu veux mais plus pour les interventions de Jonathan Cohen euh, qu a, que moi j'avais vu personnellement dans Bref euh, c'est un acteur qui monte aussi j'ai regardé un petit peu sa filmographie, rien de bien folichon à son actif mais euh, qui joue le meilleur pote de, de Bedos en, en inverse, un petit peu en, en calque inverse, à savoir euh, bah, un mec qui aimerait bien se faire des nanas, euh, etc., qui est un peu en dèche, qui n'a qui a pas, pas tout le, le, le capital, on va dire, économique et, et physique du, de, de, de Bedos. Euh, mais euh, du coup, je trouve que ce personnage secondaire-là apporte vraiment, il a une qualité de punchline et il y a toute une partie, sa partie introductive est vraiment très, très, très bien écrite très dynamique et c'est vrai que chaque, chaque moment où on le voit on est un peu content on se dit ah tiens il va se passer un truc drôle et, et on, on a plus on compte plus sur lui mais je trouve pour, pour amener ce petit côté folie un petit, ce petit côté gag euh, à la comédie romantique euh, de plus c'est pas un, une apparition qui est anecdotique Puisque euh, on, on, il, est bien, il est bien intégré, si tu veux, euh, au, au, au scénario. C'est pas juste un, un bouffon, euh, histoire de, de un, un bouffon faire valoir, il a son rôle euh, dans l'histoire de Julie et Antoine, donc c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Euh, bah sinon quoi euh, que dire de plus à part que je le conseille relativement euh, pour les amateurs de, de comédie romantique et même pour tout le monde c'est vraiment euh, un film qui prend pas énormément de temps à voir et c'est bien je pense que c'est bon de dire qu'on l'a vu en 2000, tu vois, en 2013 c'est bon de, de savoir en parler et de, de l'avoir c'est intéressant et on passe un bon moment euh, on se vide un peu la tête mais pas forcément dans les, les, les L'aspect négatif dont je, dont je l'ai dit pour G.I. Joe, pour etc. C'est pas Jack le chasseur du géant. Non, voilà, c'est ça, on se vide la tête, mais on, on suit les personnages, on, on, on reste au, au rythme de, de, du, de, du scénario, de l'AREA, et bah, finalement, on passe un moment plaisant et on regarde pas tellement sa monstre. Voilà. Euh, écoute, je te propose de. de... Ouais, je voulais juste te ah, demander. Vas -y, vas -y. Euh, moi, je connais pas du tout Alexandre Castagnetti en tant que, enfin, dans le cinéma. Mm -hmm. Je le connais moi de à travers la chanson du dimanche, les, ouais, les, 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 les chansons, enfin le, le petit groupe qu'il qui a formé avec son compère. Ouais. Euh, ouais, je vois, je sais qu'il y a un côté un petit peu folie. Euh, chez eux, euh, est-ce qu'on retrouve cet esprit un peu, euh, un peu foufou euh, sans, sans être euh, excessif? Mais est-ce qu'on retrouve ce, ce côté ouais. foufou dans le film? Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu bah, ce côté van décalé, euh, euh, punchline, euh, des, des, des situations aussi. Il des, des... y a deux trois petites surprises. Si tu veux, euh, du je, je vais pas, je vais pas, j'en je, spoil aucun, Il y, y en a pas mal, c'est des, des tout petits trucs. Hein. Euh, genre euh, la Bedos qui se, qui se tourne vers vers, vers et qui lui dit euh, écoute euh, faut qu'on faut qu'on parle j'ai vraiment envie de dire et Seigneur qui, qui lui répond ta gueule non j'ai pas envie de te parler ta gueule et mais mais pas, pas violemment c'est juste un, un petit ta gueule genre non je pourrais, ça, la, la séquence qu'on attendait dans une comédie romantique la confession commençait à s'amorcer et elle est coupée net et donc voilà, ce genre de petits trucs. Je sais pas si c'est ça que tu définissais par petite folie ou machin. Si, si, bah après, c'est de des, des, des réparties, des jeux de, des jeux de, d'action. Voilà, c'est, pas mal. Et il y a effectivement ce côté, euh, ce côté très graphique, très euh, la vanne suit l'image. Et pour le coup, j'ai vraiment valorisé ça dans ce film. Bah, bah après, tu... sur le côté folie, ce sera peut-être accentué dans les prochains films, vu que c'est l'un de ses premiers. Oui, Il oui, va oui. sûrement en faire d'autres. Donc. Euh... Bien entendu. Mais effectivement, oui, ça, ça a l'air d'être présent. Ouais. En tout cas, euh, on, on enchaîne avec avec euh, *Den man down*, un film que tu as que tu as vu donc avec euh, un film de, de Arden Hoplev, euh, Niels Arden Hoplev, qui est donc un réalisateur danois, mais décidément euh, le, le Danemark est, est tout euh, à l'honneur. Euh, voilà. En tout cas, euh, qui n'a pas fait grand-chose de, de très connu jusque-là, euh, Dead Man Down, donc ce, ce film sorti en 2013 avec euh, Noumi Rapace, Colin Farrell et Dominique Cooper. Bah écoute, pitch nous fais-nous fais -nous rêver, vas-y. Eh bah, si Enzo était là, il serait content parce que ce film des trônes Hôtel Transylvanie. Ah. C'est mon, mon, mon meilleur film jusqu'à présent de, de l'année 2013. Ouais. Après, on en revient au débat, c'est pas non plus le film qui, qui marquera ma vie. Le speech, euh, alors je vais, je vais pas trop en dire parce que, par peur de spoiler, mmh. en fait c'est un, un thriller mais dans l'univers euh, mafia. D'accord. Voilà. Euh, vous avez euh, donc en fait euh, Colin Farré, l'acteur principal du film, et il joue l'un le, 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 des hommes. De euh, Terence Howard, qui lui joue un, un patron, pas le grand patron euh, de, de la mafia, mais il joue un patron. Ouais. Et euh, ce, donc Terence Howard reçoit des, des, des menaces euh, de, et il ne sait pas de qui. Et donc il envoie l'un de ses hommes pour enquêter. Ouais. Et le film ouvre sur la mort de, de cet homme-là. Voilà, on... c'est pas la première scène, mais c'est la deuxième. Voilà, on, on le voit mort, mais on sait pas comment il est mort, tout ça. Et euh, donc euh, le, après, les menaces continuent. Tout ça, et Terrence Howard essaye de, de découvrir qui, euh, qui est euh, l'homme le, le, le mystérieux ou la femme mystérieuse qui, euh, qui le menace sans arrêt. Il essaie de comprendre pourquoi aussi. Voilà, je, je vais pas. En ouais. dire plus ouais. par peur de spoiler. C'est un film qui, voilà, je n'avais pas d'a priori une négative sur ce film, mm -hmm. mais je n'attendais rien de, de, de dingue en fait. Ouais. Et euh, ça m'a surpris dans tous les sens du terme. Mm -hmm. C'est-à-dire que, ouais, j'ai été agréablement surpris par la qualité du film et euh, surtout, voilà, c'est un thriller digne de ce nom. C'est-à-dire que ça te prend. Il y a des coups de théâtre auxquels tu ne t'attends pas. Ouais. Et euh, ouais, t es, t es pris jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière scène, mmh. la dernière scène qui, à mon sens, est le point le plus négatif. Ah. Voilà, malheureusement, normalement, un, un, un thriller, c'est censé monter, monter, et à la fin, ça explose. Bah là, ça explose au premier degré. D'accord. Ouais, là, c'est, c'est vraiment le, voilà, la fin bien hollywoodienne. Ah. Euh, voilà, il est seul contre tous, euh, il... bon. j'en dis pas plus. Mais, mais... Ouais, mais jusque-là, les, les, les coups de théâtre marchaient bien, c'est-à-dire que c'est ouais. rythmé par des coups de théâtre. C'est pas, ouais, pas exactement. facile parce que du coup, on a tendance, on n'est pas trop un peu transbahuté par, par tout ça. Non, non, en fait, on, on découvre le film petit à petit, et en fait, on en apprend sur, sur les personnages. Et euh, les, les coups de théâtre, effectivement, rythment le film, et quand il n'y a pas de coups de théâtre... Ouais. on sent euh, qu'il qu qu va se passer un truc d'accord ouais. on sent qu'il va se passer un truc mais on ne sait pas quoi euh... et euh, là où c'est fort c'est que même quand il... quand on a l'impression que voilà c'est une scène assez classique et eh bien là encore il se passe quelque chose et donc c'est c'est assez fort ouais, c'est très rythmé hein. oui non oui, vraiment je... voilà c'est pas le meilleur thriller que j'ai vu dans ma vie mais c'est un thriller efficace qui marche. Euh, donc je lui, fais, je, lui, je lui souhaite du succès. Mm -hmm. euh, Colin Farrell euh, fait son job. Il n'est pas incroyable, mais il n'est bah, pas, est pas ce mauvais. Ouais. C'est ce que la question que j'allais te poser, parce que généralement, les critiques disent euh, que souvent Colin Farrell, dans ce genre de, de film, est assez lisse et, et ne, 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 ne se différencie pas vraiment. Il apporte quelque chose ou pas vraiment bah, je, je... Il n'est pas mauvais, mais je pense qu'il aurait pu accentuer le. le l'aspect euh, je sais pas comment dire l'aspect dramatique peut-être ouais. euh, Accentue un peu plus sur la psychologie de son personnage je, je sais pas ouais. euh, à, trop vouloir, à trop vouloir faire l'homme demain impassible il a peut-être perdu en charisme c'est ça que tu veux dire ouais peut-être voilà c'est ça ouais c'est possible ouais. Naomi Rapace est plutôt efficace ouais. Ouais. donc elle elle joue le la voisine en fait de, de Colin Farrell mm -hmm. et, euh, Pareil, elle, c'est un personnage où on en apprend de plus en plus sur elle. Ouais. Et elle a pas un personnage drôle hein, dedans. Ouais, <laughs> c'est évident. Terrence Howard n'est. Voilà, lui, c'est pas l'acteur qui m'a marqué dans le film. Ouais, en, en même euh... temps, il meurt dès le début, donc as... tu passes un petit peu sur non, sa non, presta, non, non, il, non, il meurt pas. C'est l'un de ses hommes qui Ah, c'est l'un de ses hommes, meurt. pardon, d'accord. Non, lui, il meurt pas. Euh, en tout cas, au début. <laughs> ouais. Euh, ouais, bon, il est, il est assez, euh, assez, assez passible, voilà. Et euh, ouais, l'autre acteur qui, 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 qui voilà, qu'on qu peut retenir, c'est Dominic Cooper, qui, lui, bah, il, il joue le rôle du, comment dire, du, de, lui aussi, c'est un homme à Terence Howard, mm -hmm. et euh, lui, c'est vraiment celui qui veut prouver son talent. Il veut prouver qu'il ouais, voilà, voilà, qu est capable euh, de faire telle ou telle chose. Prouver la loyauté, voilà. etc. Il, et no voilà, notamment, lui, il va enquêter de son côté sur, euh, bah, sur l'homme qui, qui, qui menace euh, Terence Howard. Ouais. Voilà. Euh, sinon, un autre point négatif, c'est peut-être le côté un peu cliché. Euh, je pense à, à un truc en particulier. En fait, euh, les, dedans, il y, de, y a des Albanais. Ouais. Et euh, voilà, c'est vraiment les, les mecs... Bien baraqué, bien ouais. grand, chauve. Euh, ouais. C'est vraiment les grosses brutes, tu vois. Ouais. Et bon, voilà, c'est un point négatif qui ne, ne m'a pas dérangé en soi, mais bon. Ouais. Voilà. C'est peut-être ils auraient pu se passer peut-être un truc un peu moins cliché, quoi. Oui, voilà. Que ça fasse pas. Euh, sinon, ça, 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 ça ferait confondre le film avec d'autres films qui sont un peu moins, qui sont moins bien. Et ça serait bête, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, bah écoute euh, on va finir avec euh, 11.6 un film français un thriller français euh, réalisé par Philippe Godot euh, qui euh, en gros se base euh, tu, tu te souviens de l'histoire de Tony Musulin le, 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 le convoyeur de fonds qui avait braqué, pas braqué mais qui avait euh, qui était parti avec un, une, ouais, euh, ouais, je une camionnette euh, bah, euh, avec 11.6 millions, 11 millions 6, euh, qui, qui sortait de la banque de France donc un film avec euh, François Cluzet Bully Lanners et Corinne Maziro euh, qui reprend euh, l'histoire. Euh, donc, euh, alors pour le coup, c'est beaucoup. Euh, on retrouve. Euh, c'est bête, hein, on fait le, le, le lien vite, mais on retrouve les, les techniques de réalisation et la, la, toute la pesanteur d'un film comme Le Convoyeur avec, bah, avec du jardin et, et du pontel, euh, qui était un, un bon film français d'ailleurs, hein, euh, à noter. Euh, mais euh, bah, pour le coup, on retrouve euh, ce, ce type de film. Alors le problème, c'est qu'évidemment, on attend on attend le, euh, le, le, le pas le braquage, bon, on va l'appeler le braquage mais on attend la fuite du convoyeur avec euh, de Tony Musulin avec ses 11.6. Alors le, pro le problème c'est que ça vient un peu tard. C'est à dire que le, le film dure 1h40 et c'est un fait divers donc c'est compliqué parce que bah, tu attends l'action, c'est euh, quelque chose qui est très voilà, qui, est, qui est particulièrement intense euh, et pour combler un petit peu bah, le, le manque que ça faisait pour faire un film euh, Philippe Godot donc le réalisateur s'est euh, vraiment appuyé sur la psychologie du personnage et donc bah, voir 4, 5, 6 phases de, où Tony Musulin bah, euh, donc, euh, interprété par François Cluzet euh, part, euh, part sur l'autoroute seul euh, euh, s'entraîne au fond de sa cave enfin au fond de son, 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 sa cave pour euh, avec, avec des tu vois, des voilà, des altères, etc montrer que euh, parmi ses collègues bah, c'est pas un rigolo c'est un mec euh, qui, qui est très euh, qui est très à cheval sur ses principes etc qui, qui a un petit peu ses délires qui est très solitaire bah, au bout d'un moment ça lasse un peu c'est à dire que tu c'est un peu long alors c'est aidé heureusement que c'est bien réalisé et surtout qu'il y a une super bande son notamment à partir euh, des, des travaux de Trentemøller euh, qui est un, un, un DJ danois d'ailleurs bah, le Danemark est à l'honneur <laughs> décidément hein. ouais, ouais. Euh, donc c'est vrai que c'est plutôt euh, plutôt euh, pas mal parce que bah, la musique euh, prend euh, la il y, y a tout un tas de tout un tas d'effets qui sont réussis mais c'est un peu long et une fois qu'on est arrivé sur le 11.6 donc sur le, le braquage en lui-même là le la tension monte et c'est vrai qu'on se retrouve un peu mieux euh, euh, pour le coup, on accepte toutes, les, toutes les, les, ces scènes-là euh, qui ne sont pas reprises, mais du coup, c'est des scènes de fuite. Mais il y, y a un but en fait il y a un but à la solitude, il y a un but, etc., pour, pour, son, pour ses actions, pour son comportement. Et du coup, ça aide à, un peu à faire passer la pilule. Euh, Peut-être que ça aurait mérité de faire, de faire 20 minutes en moins avant le braquage et 20 minutes en plus après, qui tag, si on veut vraiment garder le même, la même durée de film. En ce qui concerne euh, bon, les dialogues, ils sont, sont pas mal, euh, sont même plutôt bons. Ils sont surtout euh, euh, appliqués par, par François qui et Bully Lanners, qui, euh, en fait, qui joue un collègue de Tony Musulin, un collègue fidèle qu'il a eu pendant plusieurs années. Et pour le coup, eh bien, euh, ça, marche, le, ça marche plutôt bien. Euh, Bully Lanners confirme que c'est un super acteur, vraiment. Euh, et euh, ça, ça, marche, ça marche bien mais encore une fois c'est compliqué d'analyser ce film parce que est, on est toujours un peu entre les deux c'était bien mais c'était pas assez enfin, ça aurait très bien pu euh, faire une mini-série sur Canal, euh, peut-être qu'ils auraient pu un peu plus prendre leur temps et, et rendre ça dans un contexte général on a l'impression que le, le film est partagé entre, entre trop, la volonté de ne de, de, de pas être trop court et la volonté de ne pas être trop long et du coup, en fait, c'est vraiment la, la, la longueur, enfin la durée sur ce film qui, qui joue, euh, qui, est, qui, est très, qui est très difficile à, à, à mettre en place, à, à, à cadrer, etc. Et peut-être que voilà, le, le, le braquage en lui-même aurait dû, euh, même, même quitte à nous faire à nous faire, euh, <coughs> faire une scène en intro, si tu veux, avec, euh, avec le braquage, tu vois, qu'on qu ait une anticipation, qu'on ait quelque chose. Mais là, on attend trop. Et euh, le personnage, est lisse, évidemment, c'est sa raison d'être. Euh, il est empreint de solitude, etc. C'est dit à travers le film, mais j'ai l'impression de me répéter. Mais il est empreint de solitude et on insiste trop. Et bah, la solitude, c'est chiant. Au bout de 20 minutes, euh, t'as compris quoi. Euh, pis, voilà, je pense que peut-être... Euh, euh, sur une peut sur une, une durée un peu plus longue euh, quitte à le faire revenir vraiment en arrière parce que ça passe l'action la, la, se joue sur deux ans euh, peut-être un petit peu en arrière histoire d'avoir une fresque un peu plus complète euh, j'aurais préféré j'aurais vraiment, vra vraiment faire une fresque humaine de ce film plutôt que un film de faits divers c'est ça qui m'a en fait le, le problème si j'ai bien compris c'est pas tellement que tu attends le, le, le braquage c'est plutôt le scénario qui est un peu bah, le scénario te fait peu... le scénario te fait attendre le braquage c'est ouais. le problème c'est qu'il te... il le fait mal en fait il te fait attendre en, euh, en présentant une certaine une descente aux enfers pourquoi va-t-il faire ce geste qui n'est pas vraiment enfin tu la sens pas vraiment quoi il peut-être sur plus sur vraiment une durée plus longue avant quitte à nous faire des éli... des grandes ellipses j'aurais peut-être été un peu plus un peu plus friand quoi. voilà euh, bon bah tu as d'autres questions euh, oui, oui comment c'est filmé en fait, j'ai peur avec ce genre de film que ce soit filmé caméra sur l'épaule du début à la fin. Non, pas du tout. C'est la caméra est, est vraiment posée et euh, justement, il y a peu de, il y a, vu qu'il y a pas eu de, de grandes courses-poursuites, etc. Les grandes poursuites sont, sont zappées. Et c'est vrai qu'on se concentre vraiment sur le, le personnage en, en lui-même. Il y a pas, c'est vrai que c il y a pas, c'est pas, pas une affaire de toute façon où il y a eu de grandes poursuites, etc. Le mec s'est rendu à la police. Il y a même pas eu de, de poursuites, etc. Euh, donc ça évite et on, on, on se concentre vraiment. La caméra est posée et on se concentre sur, la, sur le mec, sur, sur François Cluzet. Si effectivement caméra à l'épaule, ça aurait été très très chiant parce que ça serait, ça aurait bougé ouais, tout en fait, le temps. J'avais peur que ça tombe dans le piège de Zero Dark Sortie, par exemple. Non, non, pas ouais. du tout, pas du tout. Alors là, pour le coup, on a une vraie. Un vrai domaine euh, et, et, psychologique et très très peu de d'indications sur la police en, en général. Euh, la, la police en fait est pas, enfin découvre des trucs mais tu n'est pas c'est pas souligné quoi. C'est la réaction de de, de, de par rapport à la police qui est plus, euh, plus mise en valeur. Donc euh, réalisation très classique mais efficace à base de, de filtres bleus, filtres sombres, etc. Et sinon, est-ce que ça t'a permis de, de cerner psychologiquement ah. le personnage de François Cluzet euh, Est-ce que Tony Musulin, je le connais mieux grâce à ce film. Je sais pas, c'est un film, ça reste une, une, une interprétation. J'aurais du mal. C'est vraiment une interprétation, je pense, euh, assez libre. Euh, je sais pas quelle a été la position de, de Tony Musulin par rapport euh, au fait qu'on fasse un film, etc. Bon, il l'a accepté visiblement, euh, mais euh, je. C'est compliqué C'est un compl film qui condamne Tony Musulin Ou qui juste te montre euh, il, le... il, il montre Pourquoi il a fait ça Il montre les causes, il montre aussi les conséquences Ce qui est appréciable Et, euh, Il montre les causes, il montre les conséquences C'est un petit peu Alors évidemment Vu que vu que tu vas le voir pendant 1h40 L'empathie est mise sur François Cluzet Après ça ne le pardonne pas vraiment et c'est plus un acte, un acte psychologique plus qu'un acte euh, pseudo-solidaire, pseudo-économique, pseudo-politique. Hein. Ils insistent vraiment sur l'acte psychologique et l'acte. Euh, voilà, c'est un homme seul qui a fait ça. Pas vraiment de message finalement derrière ça. Mais c'est juste cause et conséquence d'un fait de la vie d'un homme. Voilà. Ok. Bah écoute, je te propose de passer à Serivor Chronique tout de suite. Ça marche. Mmh. Par une série chaque semaine, découvrez ou redécouvrez le petit écran. C'est Série Alors, Série ce soir sur Parks and Recreation. Donc, bah, que faire quand une série originale plaît et rapporte une, une audience fiable? Stable et élevée, mais qu'elle ne dure que 20 minutes une fois par semaine. Et bah on la copie, tiens. Après le succès de The Office, NBC décide de faire un vrai faux spin-off et lance Parks and Recreation en 2009. Je vous avais déjà parlé de The Office, série d'origine anglaise reprise aux États-Unis, se basant sur le quotidien d'employés moyen d'une entreprise moyenne qui vend du papier. <coughs> Je m'étais déjà attardé il y a quelques semaines sur la version anglaise, donc je ne vais pas revenir sur la version américaine qui est sensiblement la même. Cependant, là où Parks and Recreation se démarque, c'est de placer donc un faux documentaire empli de regards caméra et de fausses confessions dans le milieu de l'administration publique. C'est un peu spécial pour les États-Unis, mais bon. Et nous voilà dans la ville de Pawnee, dans l'Indiana. Un bled un peu paumé, typique des petites villes américaines entre espace verts, habitants communautaires et bancs publics. Et l'espace public, précisément, c'est le truc de Leslie Nope, chef du département des parcs et loisirs de la ville. Interprétée par euh, Amy Poeller, issue de l'école d'impro de Chicago, aux côtés de Will Arnett et Tina Fey de 30 Rock, par exemple, qui ont composé généralement les Saturday Night Live, elle symbolise cet employé du service public illuminé par la symbolique de son travail, quand bien même ses rêves sont de connaître tous les chefs d'institutions publiques du pays. Vous voyez, je pense là où je veux en venir, l'équipe de Scranton de The Office va être remplacée par la fine équipe du service des parcs et de loisirs de Pony. On y trouve la jeune stagiaire blasée, la de service, le mec détesté pour rien, etc. etc. Et surtout, surtout, le chef nihiliste euh, carnivore moustachu, Ron Swanson, un personnage typique de la réussite d'une série, avec des infos privées un peu mystérieuses, des punchlines permanentes et une expression faciale hilarante. 100% des personnes ayant regardé Parks and Recreation recommandent Ron Swanson. C'est une information Robin Souriau. Concrètement, si la série ressemble énormément à The Office, elle s'en sépare par un point. Les actions sont beaucoup plus souvent en extérieur, ce qui évite des refontes avec les compères de Scranton de bataille de bureau. On sort, on s'aère et surtout la série est beaucoup plus évolutive, en tout cas de manière plus flagrante. Les personnages se croisent et ceux qui restent sont ceux approuvés par le public. Une technique un peu dure, mais qui permet de garder les meilleurs personnages tant que vous n'êtes pas un hipster. En bref, 5 saisons qui montent en puissance, notamment à partir de la saison 3, et l'installation d'une certaine profondeur propre à chaque personnage, de manière évolutive mais conséquente. Une série que vous aimerez forcément si vous avez accroché à The Office, sans quoi passez votre chemin. Voilà, voilà. Euh, bah écoute, euh, c'est vraiment une série que je recommande, c'est très sympa et c'est du complément pour ceux qui aiment The Office et qui n'en ont jamais assez, et qui se euh, plaignent que c'est qu'une fois par semaine et c'est 20 minutes, et eh ben il y en a un deuxième. D'un plus, The Office va s'arrêter, c'est la dernière saison, euh, une série incroyable encore une fois. version américaine, j'entends, la version anglaise est, est terminée depuis quelque temps. En tout cas, la version euh, américaine va bientôt faire, finir et va être sûrement... Euh, Prise par Perks and Recreation, sachant qu'un spin-off officiel de The Office avait été, euh, avait été annoncé euh, notamment bah, sur, euh, sur un des employés de l'entreprise de papier et qui finalement a été euh, révoqué par, par la NBC. C'est très dommage. Ça va faire une un petit passement au cœur. Bon, on passe à la question de la semaine. Envie d'aller au cinéma C'est l'heure de gagner deux places pour le cinéma Le Bijou. Avec la question de la semaine. La question de la semaine qui vous permettra, qui vous permet d'ailleurs, dès maintenant, de gagner deux places pour le cinéma, Le Bijou de Noisy-le-Grand, en répondant à la question simple Quel film y avait-il cette semaine à l'affiche donc en sortie de cette semaine, 5 avril 2013, avec Colin Farrell. Voilà, on en a parlé dans la C1 des trois de sorti des sorties de la semaine. On vous l'offre, celle là, c'est vraiment c'est facile. On bon. les offre quasiment toutes. Hein, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, la dernière fois, ça a demandé un petit peu de recherche. Hein, mais... ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. l'avait pas bon, parlé. là, j'avoue que c'était pas, c'était pas très très. Euh, c'est pas très dur. Moi, ça nous fait plaisir de vous l'offrir à chaque fois, à chaque semaine. Moi, j'aime bien. Je, je suis comme ça, je donne. Enfin, c'est surtout les sous de la radio qui donnent. En, en tout cas, bah voilà, encore une bonne émission qu'on finit. Euh, ça s'est bien passé Ça va. J'avais un peu peur quand, on, quand tu m'as dit qu'on était que deux, mais ça ne ah, va pas. Ah mais non, ça, ça s'est bien passé. Bien passé. Ouais, on, a, on a fait le temps. On reprendra évidemment nos deux chers compères la semaine prochaine pour encore plus de films, encore plus oh, de dur. séries. Ah ouais, eh, oui, je suis désolé. Oh, y -ya, y -ya. Ouais, on était plutôt d'accord, nous deux, en même temps. Oui, bah oui. Je trouvais ça bien, moi. En tout cas, euh, on se quitte sur une chanson de Trent et qui était dans le film 11.6, Take Me Into Your Skin, donc de l'album The Last Resort. C'est de la minimale avec un petit peu d'IDM dedans. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, on se retrouve dans quelques minutes pour un spécial score plus. Oui, le, le, le créneau du vendredi soir, vous avez manqué. On revient exceptionnellement ce soir pour vos beaux yeux, pour parler de la Ligue des Champions, notamment de PSG Barça. Pour nos amis du foot, on se retrouve dans tout de suite pour nos amis du cinéma et autres. On reste sur les antennes du groupe Radio Rec et on suit toutes les, les émissions avec assiduité et avec podcast si jamais on n'a pas d'assiduité à la maison. C'est vrai que c'est pas facile d'en trouver dans, ces, euh, dans cette société un petit peu un petit peu, un petit peu mauvaise, j'ai envie de te dire. Ouais, bon. Méditerranéenne. Voilà. <laughs> bon, allez, on finit. J'ai dit assez de bêtises et on se retrouve dans quelques minutes. A tout à l'heure. Salut.